Hello, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Marcus. Bienvenue les potos et les potesses pour un nouvel épisode du DLC Solo Annihilation Instinct de Atomic Heart. Alors, on s'était arrêté ici juste après avoir, un peu écouté Nora avec, sa pensée bien à elle. Et du coup, je croise les doigts pour qu'il y ait encore du blabla entre Sergueï et Nora, pour qu'il y ait des sous-entendus graves à l'appel. Croisez les doigts, attention, que va-t-il se passer? Ça va se savoir. Oh non, c'est tout! Oh non! Oh non! Moi, je voulais entendre Nora. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Amélioration d'arsenal? Je sais que je peux améliorer... la poularde avec notamment non pas ça, tout à fait, bâton ergonomique, un bâton en matériaux légers qui augmente la vitesse d'attaque, et ça c'est pas mal. Je regarde et ça me paraît bien. Tac, est-ce que je peux passer au niveau 2? Le niveau 2 je peux, mais attends, juste avant, ah merde, je peux pas. Je ne peux pas améliorer quoi que ce soit au niveau de l'arme. De toute façon, je n'ai aucun plan. Donc, écoutez, on va retourner ici. Poignée, tac, niveau 2. L'énergie pour les coups puissants s'accumule plus vite. D'accord. Tac. Maintenant. Là, on va prendre le peupon. Déplacer. Et le flingue. Là, ensuite, on va faire un petit... tri automatique. Artisanat, on va se faire un peu de life. Hein, on n'est pas contre. Créer. Ah oui, attends. Que un? D'accord, ok. Attends. Merci. Ce n'est pas fini. Je veux améliorer les capacités de P3. Alors, technostase, ça me paraît bien. Donc, on va partir sur... Attends, c'est combien? C'est... Ok. Donc là, défense magnétique active. Là, ensuite, on associe la technostase concentre l'énergie emmagasinée dans le champ magnétique vers la combinaison avant que des dégâts ne soient infligés. D'accord, je prends. Ensuite, on va aller au niveau du personnage. Donc là, tu vois, tout ça s'est amélioré. Énergie du personnage, c'est... bah, fait. Elec, c'est fait. Donc en gros, bouclier en polymère. Comment ça marche? Je ne sais pas. Installer? Votre gant peut vous entourer d'un bouclier en neuropolymère qui vous protège des dégâts... Ah, mais ça peut être trop bien! Ah ouais, non, mais... ouais, non. On va rester comme ça. Ah, bouclier en polymère, protégez-vous contre les attaques. D'accord. Donc là, comment ça marche? Ouais, vas-y, on recharge. J'ai vraiment pas beaucoup de balles, hein. Ensuite, on a le flingue. D'accord. Comment je fais pour changer de... pouvoir, de capacité? Bon, j'ai toujours ça, ça me rassure. Et c'est pas ça que je veux en fait. Moi, c'est le ralenti. Non, c'est pas là. Là. Vas-y, démarrage. Technostase. Tac. Installer. Et. Tac. C'est bon? Bref, on s'en fout. Allez, on y va. Non, ce n'est pas par là. On re-sauvegarde. Et maintenant, on doit aller où? Attends, je vais prendre ça. Ici. Ça vient avec moi. Poupili papa. Ici. J'ai un cortex et une carbure. Oui, allô? Qui c'est? Ah, mais c'est loin! Comment je baisse comme ça? Il est là, il est devant! Qu'est-ce
Qu'est-ce que j'ai raté? Tout à fait, tout à fait. Ben non. Ouh là là, qu'en est-il? Là, la porte... Ah, ben si, elle peut s'ouvrir. On a quoi? Ouais. Boubili baba. Allez. C'est assez particulier leur façon de s'assembler. Eh, tu vois mon cul? Bah attends, vas-y, montre-le-moi, je vais foutre ma tête dedans. Ça ne veut rien dire. Hop là! Waouh, 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 waouh. Comment est-ce que je suis censé les attraper? Il me fuit. Chier. Voilà, vache! Mais t'as de la vie? C'est de la folie, impossible de les attraper. Sois bien attentif, mon cœur. Ces petits cheveux n'abandonnent ont peur quand ils se battent, mais avec leur chef, ils peuvent plaisant, j'espère. Et là, ici devant! Lui, là, le vert. Ils sont capotes, ils sont capotes. Hop, 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 il faut que je me tire de là. Là. De la vie, il me faut de la vie. Yes. Mais non. J'étais en train de me remettre de la vie. Mais what the... Oh là 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 là. Ok. J'ai l'impression que je les ai bien calmés. Hmm.
Ce qu'il me faudrait, c'est de la vie. Non ! Bon allez, pourquoi pas, on est en pleine action. Mais c'est pas grave. Écoutons. Je ne vois pas où est le problème. Il vaut mieux détruire une intelligence artificielle, même s'il n'y a qu'une chance sur 1 million qu'elle supplante l'homme au sommet de l'évolution. C'est du bon sens. Encore le même refrain. Évidemment, il est possible que l'IA prenne la place de l'homme. Personne ne dit le contraire. La vraie question est de savoir si l'humanité a les capacités intellectuelles pour dépasser le stade actuel. Si les humains sont trop stupides pour aller plus loin dans leur évolution, alors ce n'est pas l'IA qui posera problème. Les machines conscientes ne sont pas nos ennemis, mais une compétition, un encouragement à mieux faire. Camarade Lebedev, c'est de l'idéalisme et c'est dangereux. Silence, camarade. Merci. J'ai besoin de 24 heures pour étudier vos rapports. Je prendrai ma décision demain. Merci pour le travail que vous avez accompli. J'aime bien le sigle IA. Dites à Privalov de l'ajouter à la base terminologique générale de l'Académie. C'est reparti! Voilà! Ouais! Mais voilà! C'est ça qui est bon! Même si je m'y suis repris à 3 reprises. J'ai encore marché dans un truc. C'est quoi cette merde qui colle? D'où ça venait, ça? Je vais vous oublier d'en mettre une si je suis. Tu es un vrai salaud, Nechayev. La ferme, saleté. Mais oui, mais t'es qui? Comment ça se fait que tu parles? Est-ce qu'on n'aurait pas... je sais pas moi, transférer l'esprit d'une personne dans ses toits? Ça se peut ça, hein? Draguer le marécage, expliquez-moi! Ouais, c'est bien ça, nom d'oiseau. Ah, voilà, chère Zana. Attendez. Tac. Votre requête a été évaluée, une oie étrange équipée d'un cortex. A été aperçue dans le complexe Mendeleïev. D'après les enregistrements des caméras de sécurité, elle semble avoir jeté par-dessus la... clôture la nuit du 1er avril par des individus portant l'uniforme du complexe Pavlov. Malheureusement, nous n'avons pas pu déterminer l'identité de ses employés ni capturer l'oie. Je ne peux pas être catégorique, faute d'expérience en la matière, mais il doit s'agir d'un spécimen expérimental bien plus rapide et agressif qu'une volaille ordinaire. Sans oublier qu'elle jure comme un charretier. Nous avons tenté à plusieurs reprises de l'attraper avec un personnel robotique, mais en vain. Malheureusement, nous ne pouvons pas continuer de gaspiller nos ressources de sécurité pour attraper cette oie sauvage, aussi bavarde soit-elle. Tant qu'elle ne présentera pas de menaces sérieuses pour le fonctionnement du complexe ou pour ses employés, nous continuerons de surveiller la situation pour mettre au point une solution. Sa voix me dit quelque chose. Hurlement dans les marécages, tout à fait. Ah, tiens là. J'espère, vraiment j'espère qu'on la verra cette créature. Je ne veux pas spécialement l'affronter, je ne veux pas spécialement la tuer, mais je veux voir à quoi va ressembler la créature
qui aimait ce genre de son. Vous les trouverez, joint, pour chercher cette créature, mais son communicateur est tombé en panne le 15 septembre à minuit. D'accord. Donc. Là. On va récupérer un petit peu tout ce qui est récupérable. Ah, c'est vrai, je peux lui parler. Ok. Là, c'est ok. Les grenouilles, c'est mon rayon. Discutons, toi et moi. Enfin, si c'est possible. On peut les cuire, les griller, les faire au four, au ragoût, en brochette, cuisses de grenouilles à la créole, combo de grenouilles. Ha ! Non, je peux pas te parler. Griller avec du riz. D'accord, non, mais y a pas de souci. Du citron, de la noix de coco, du poivron. Et maintenant, faut que j'aille là-bas. Faire du ragoût avec... Et deux, trois. Oh, merci. Oh, ou des pommes de terre farcies. Merci beaucoup pour le cadeau. Ça fait 3 sur 8. Ah, enfin bref. Alors, faut être comme ça. Vos chocs vont mourir dans le collectif. Faut jacasser. C'est pas vrai de voir ça. Hop. Fais pas chier. Ça va revenir ou pas? Il y a eu des accidents sur le site. Yes. L'art demande des sacrifices, chérie. Ouais, là, je peux pas. Donc j'ai intérêt de faire vite. Go 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 go. Maintenant à gauche. Ah, j'aurais pu y aller, non? Ah, je pense. T'es encore là, toi? T'es partout! Oh la vache, tout ce qu'il y a! Alors, comment ça fonctionne? Ah oui, c'est vrai. Parapapin, parapapapin! C'est pareil, hein. J'espère qu'on aura des réponses pour Loi. Wow.
punaise. Les affrontements sont méga ardus, hein. Heureusement que j'ai du talent quand même, lol. Là. Tiens, il y en aura à côté avec sa musique techno, cette musique de porn en fait. Professeur, comment est-ce qu'une chinoise est devenue la voix de l'intelligence artificielle soviétique? Ah oui, Lin Huiyin. Il y a 3 ans, la camarade Lin Huiyin visitait le site avec une délégation internationale d'architectes. Tout le monde a été séduit par son charme et ses connaissances en littérature. Et quelle voix mélodieuse! Les invités et les employés ont été ravis quand elle a accepté de prêter sa voix à Nora. Sakharov lui-même a salué cette idée. Admettez-le, vous avez jeté un œil à la version chinoise du logiciel. Exact. Et c'est super intéressant. Votre super curiosité pourrait vous jouer des tours. Quand Nora a commencé à manifester ce genre d'intérêt, on a dû l'éteindre. Sefka Tsiganov, une jeune technicienne, s'est faufilée dans la ventilation avec une hache pour lui couper les câbles. Compris, compris. Je me tais. Faites votre travail. Je vous raconterai tout plus tard, en toute discrétion. Oui, j'espère. Là, va-t-on récupérer un petit plan? Non. Tant pis. Clubs sociaux, ne pas faire de mal, peinture polie. Attends, est-ce qu'il y a des messages audio là? Non. Et là. Là, non. La bouboule. Tac, et je vais te mettre ici. Voilà le quatrième. Globe du matin chagrin, globe du soir espoir, c'est ça non? Hop. Allons voir Nora. En un collectif uni représente l'accès de l'humanité à l'étape suivante de l'évolution. Ce ne sont pas que des mots. Tous les membres de collectifs ont déjà été témoins des premiers résultats. En un seul jour, la civilisation a effectué un bond social jusque-là impensable. Le monde a aboli les gouvernements, les frontières, les bureaucrates et l'inégalité. Tous les membres de collectifs sont égaux. L'autorité de chacun dépend de ses connaissances scientifiques et de sa contribution au développement humain. La fortune personnelle et les relations gouvernementales n'ont plus aucune valeur. Tout appartient désormais à collectif, c'est-à-dire à chacun d'entre nous. Bientôt, tous les grands centres de commandement seront placés en orbite et tous les neuropolymères de la planète s'uniront en une seule matrice contenant la somme du savoir humain. Les capacités et perspectives des membres de collectifs deviendront véritablement illimitées. Ceci est un appel de collectifs à ceux qui portent encore les œillères de leur obstination. Rejoignez-nous au moins pour une heure. Et vous comprendrez enfin. Vous oui, mais pourrez ensuite choisir. Si on se connecte, est-ce qu'on peut se déconnecter après? Si vous y tenez, nous ne vous obligerons à rien. Ouais, vous c'est ça. Vous pouvez retirer votre cortex à tout moment pour arrêter d'écouter Collective. Mais Collective doit avoir conscience de votre existence pour vous loger, vous nourrir et vous entretenir. La majorité de l'humanité s'est prononcée en faveur de collective. Comprenez bien que plus rien ne sera comme avant. Ce passé est définitivement révolu. Cessez votre résistance inepte. Demandez une injection de neuropolymère au robot le plus proche. Ensuite seulement, vous pourrez prendre votre décision. Ouais. J'allais monter à la surface de toute façon. Imaginez la musique qui est en arrière-plan dans un film porno. Ça irait tout de suite. Alors, que choisissez-vous, Major? Arme ou capacité? Flingue.
Améliorer. Donc là, je peux améliorer. Attends. Je peux tout améliorer. Je vais améliorer le fusil à plasma. Est-ce que c'est améliorable? Je peux l'améliorer. Dégâts du tir d'onde augmenté. Vas-y. Là, je peux. Et non, je ne peux pas. Et le chargeur, je ne peux pas. Mais le convertisseur, je peux. Est-ce que je peux encore? Non, je peux pas. Je suis à fond. Ok. Désassemblage. Donc là, on a ceci. Alors, attends. Est-ce que je peux? Oui, je peux la récupérer. On va... Pourquoi je peux pas? Si, je peux. Tout ça, c'est des munitions. Déplacement. Non, mais je vais garder tout ça. Artisanat. Est-ce que je peux faire... Ouais, dynamo électro. On va faire ceci. Là, c'est grande capsule, donc je vais en faire 4. Et vas-y, créer. Ok, x4. Donc là maintenant. Major Net... Polymère. Accélérateur. Non mais c'est de musique. Vous savez que moi j'aime bien la techno. J'aime bien quand c'est rythmé comme ça là. Super compresseur de masse temporelle. Allez, vas-y. Vu que j'ai plein de points. Toc toc. Non, clique là. Non, c'est là. Non. Ah, j'ai pas assez, mais franchement, j'ai débloqué quand même pas mal de choses. Alors là, maintenant, on peut quitter. Alors, est-ce que c'est l'arme que j'avais de base? Je crois que oui. Est-ce que je l'avais améliorée jusqu'à fond? On verra bien. L'inclusion de tous les êtres humains en un collectif mais c'est bon, quoi. Uni représente l'accès de l'humanité. Pourquoi tu tournes en rond, Nechayev? Tu t'es cogné la tête ou quoi? Ah oui, c'est vrai. T'es là. J'arrive. Encore. Oh, j'ai débloqué un truc, le sécateur super compresseur. Ce ne sont pas que des mots. Tous les membres de collectif. Autorisation. Major Nechayev. Il faut que je l'améliore cette arme parce que c'est l'arme la plus balèze que j'ai. Ouais, donc là on va ici. Tac, non. Stockage étendu. Ok, bah tant mieux alors. Du coup, stockage. Voilà.
Et résultat, ça me paraît bien. En un seul jour, la civilisation a effectué un bon secours. Je ne suis pas. Mais merde! Je suis. Attends. Non, il n'y a pas de mode photo. C'est dommage. C'est vraiment dommage. T'es vraiment qu'un gros malade! La statue de Mendeleïev? Sympa. Est-ce qu'il y a un bouton dessous? Attention, chérie. Si tu appuies dessus, tu vas déclencher des problèmes que tu n'es pas prêt à affronter. Je m'en sortirai. Je suis pas un enfant. Oh, comme tu es brutal. J'adore ton machisme. Oh merde. Attends. Non. Quoi ? Eh, t'as pas à te réparer aussi rapidement. Ouais, peut-être que je vais beaucoup trop vite. Tac. Super. Là. Attention à vous ! Besoin de correction. Merde. Ça me paraît bien. Attendez là, qu'est-ce que je dois faire? Attraper tous les globes avec des algorithmes de contrôle. Mais... je vois pas ce que je dois faire là. Ah merde! Excuse-moi. Chandelier. Quoi? Les chandeliers peuvent servir d'arme. Essayez de tirer dessus avec une attaque chargée du cicatrice. Ok. Cette saloperie est trop forte. Je vais pas tenir longtemps. Essaie de faire tomber un lustre dessus. Mais attention, c'est une explosion. Putain de m'échouer. T'aurais pas pu me prévenir. Tu as dit que tu t'en sortirais. Ah, merde. Oh, déjà? Ok, ok, ok. Oh, ça va être un peu compliqué de vraiment faire en sorte à ce que les chandeliers tombent vraiment bien comme il faut sur cette espèce de boss. Enfin, c'est même pas un espèce de boss, c'est un boss. Ah là 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 là, les globes B, hein, vraiment, ouais, en solo, ça va, 2-3, ça va encore, mais là, ils sont une dizaine, même une vingtaine. Même peut-être carrément plus. Non, ça n'a pas marché.
Là, c'est pareil. Vas-y, il est là. C'est quand même stylé, hein. Ah, je peux pas. Ok. Oh là là, non mais je voulais voir un petit peu ce que ça faisait là de près. Chandelier. Allez. Non, pas ça. J'ai l'impression que des fois il anticipe. Comment je vais faire? Comment je... Ah, bordel de shit. J'ai rien pour... Si, là. Utiliser. Ben voilà. Non mais j'ai vraiment pas de bol. Chandelier ici. Et hop là. On attend. On attend patiemment. Rien ne se presse. Rien ne presse plutôt. Non. Si. Recharge.
Mais voilà, en un seul coup. Lol. Si, attends. Oh merde, oh, il revient. Punaise, je me suis emballé trop vite. Oh là là. Ah mais non. Oh non. Ah ça c'est infect. Ah non, là le jeu, tu déconnes à mort. Vite, vite, vite. Non. Vite, 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 vite. Il va se reformer. Tac. Viens là, mon petit père. Non. Raté. Merde, le con. Je suis là. Raté. Non, pas trop raté là. Vas-y. Et boum. Oui. Commande, 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 commande. Putain. Hop là. Il me faut des chandeliers. Ah ah ah. Chandelier, chandelier, chandelier. Ah oh, merde. Oh what. Non. Oh, c'est infinissable. Vous imaginez pas combien de fois j'ai recommencé tout ça. Reste à terre. Ne te reforme pas. Mais non. Allez, allez, allez. Ah, oh, quel joli. Non, c'est bon. Punaise. Plus gros que les autres. Ils seront magnifiques au milieu de mon collier. Ouais, ouais. J'apporte ça au réceptacle. Ah, non. On m'a tiré dessus. Oh, attends. Si tu touches à une sale flemme de mon pied... T'es vraiment qu'un gros malade. Oh punaise, non mais je ferai des coupures à l'appel hein, parce qu'en fait je suis mort au moins ouais 5-6 fois, voire même 7 fois. Parce qu'en fait quand tu meurs, je veux dire, si t'arrives à la phase 3 et que tu meurs, tu dois tout refaire depuis le début. Et moi en fait
J'y étais en tâtonnant, j'ai essayé de voir un petit peu comment lui retirer un maximum de dégâts rapidos. Et en fait, j'ai remarqué que lorsque tu fais tomber un chevalier sur le boss et qu'il est en train de perdre la vie tout doucement, tu peux lui retirer à mort de la vie en lui tirant dessus. Et ça, tu vois, je m'en suis aperçu qu'au quatrième essai. Parce que des fois, mon cerveau, il a du mal à capter. Mais enfin, on a réussi et c'est ce qui compte. J'essaierai de faire un petit montage tranquillou pépouze pour que vous ayez quelque chose de pas trop dégueulasse à regarder. Mais ouais, c'était galère. Mais merde, c'est pas fini. Attention. Hop. Donc là, en fait, on a toutes les portes qui sont fermées. C'est dommage parce que tout à l'heure, elles étaient ouvertes. Non. D'ailleurs, j'ai récupéré... Non, là-bas. J'avais cru voir quelque chose en surbrillance. J'ai dû péter un câble. Ça se peut, hein. Quand tu meurs autant de fois d'affilée, y a ton cerveau qui est en mode... J'en ai marre, capitule mec. On ne chatouille pas une loi qui dort. C'est pas vrai. T'es où toi? Je me demande si son bon ami se trouve toujours dans son camp. Ok. Tiens. Tu as oublié votre taille. Tu as oublié loi. Tu as oublié la tête de Petrov aussi. Tu vas parler longtemps, mec? Maintenant qu'on enregistre, tu peux raconter ce que t'as fait. Bah, Lyonna, je voulais pas... Je... Dépêche-toi ou je vais perdre patience. D'accord. Je me suis servi de mes recherches pour créer un composé qui... Patrick, qui... arrête de parler. Tu arrête de marmonner. Répète ce que tu m'as dit tout à l'heure. Je voulais juste qu'il y ait des sentiments entre nous. Et je me suis dit que le meilleur moyen de procéder était Sergueï, d'utiliser... Sergueï a mangé un chat. Chimique. Il y a de la fourrure autrement dans son dit, caca. Tu as concocté un filtre d'amour. C'est ça, Ivan, dis-le. On vit pas dans un conte de fées, Aliona. Je voulais juste t'inviter Sergueï, à sortir, mais... Sergueï, ton agent s'appelle Reviens. T'es trop mais bien bon, pour moi. Vraiment. Tu t'intéresses qu'au génie. C'est faux. Mais en Bulgarie, si tu m'avais montré ta formule dès le début, j'aurais accepté ton invitation sans hésiter. Ton composé est un travail de génie, Ivan. Alors, est-ce que... On pourrait sortir ensemble, maintenant? Je ne sais pas. Mais si jamais tu me refais un coup pareil... Oh. Bon, ça va. Bon, toi, Loa, là. Merde. Mais reviens là! Les affaires, j'ai pris une botte sur la patte! C'était toi! Putain de conneries de compte de fées! Je ne suis pas rancunier! Va te faire foutre pacifiquement! Dans ta face! Ok. Là maintenant, je peux y aller. Je t'envoie le cinquième. Oh, tu travailles sans relâche, chérie! Un homme vrai! Bon. Continue à conquérir le monde à vitesse. Là ici. Les humains n'auront plus besoin de travailler. Toutes les tâches s'accomplissent. Là devant c'est mort. Donc à mon avis, faut aller
ici, oui. Oh. Super. Allez, on sauvegarde. Maintenant, on va ici. On va se faire de la vie parce que là, j'en ai utilisé beaucoup. Et je vais en faire 5. Ok. Merci de sélectionner la... Hop, on y retourne. Améliorer, on peut faire des munitions et je peux en faire... Alors, à quoi ça correspond? Ah ouais. Vas-y, c'est bien. Hop. Autorisation. Rebolote. Doudididididadadada. On va retourner là. Non mais... Bah, je peux pas améliorer. Ah. Donc là... Non, c'est bon. Là, j'ai rien récupéré là non plus. Ici... Alors, attends, comment ça se passe là-haut? Est-ce que je peux pas améliorer ça? Poignée. Yes. Non, je peux pas. Je suis à 50. Merde. Allez. Non, là je peux pas parce que... Quoi? Ah, ah oui, c'est vrai. Ouais. Et la lame. Je peux l'améliorer. Peut-être aussi pour ça que je fais pas trop de dégâts. Tac. Ça me paraît bien. Le peupon, on va pas y toucher. Artisanat, ça, je peux en faire un vite fait. Je vais en faire deux d'ailleurs. Ah, ressources, ok. Bah, un. Tac. Maintenant, on fait ça. Un tri. Je suis à fond, mon gars. Certains n'ont toujours pas mesuré tous les avantages. Faut que j'aille quelque part et c'est à droite. Ah bah tiens, on peut aller en face maintenant. Et en fait, je viens de par où, moi? Si je vais tout droit. Non, je viens de par là. Paf. On était tout droit, on va aller à droite. Là, ici, on y avait déjà été. Ouais, ça a l'air de faire plus mal. Okay. Comment ça se fait là?
C'est bon ? Ok. Allez ? Allez ! Que dalle ! Que dalle, ici. Calibrer le dock. Cher correspondant, paix sur Terre à tout jamais. N'empêche, hein. Ah ! J'ai récupéré un plan. Chargeur, magnifique. Et comme quoi, vous avez vu, il faut prendre la peine de fouiller. Je l'avais déjà dit dans l'épisode précédent. Et bah, je vais le redire encore. Prenez la peine de fouiller le décor. C'est bon ? Non. Là oui. Deux pour le prix d'un. Je pensais avoir le temps de passer, enfin de taper, mais pas du tout. Fou, là 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 là. Et bon, vous savez, derrière ce genre de combat, il y a toujours une récompense, et ça en vaut la chandelle, très très souvent. It's okay, on se met de la vie, et vas-y. Donc la volonté invincible des collègues, ici on a robot de combat, ça doit être intéressant à regarder. Ah, un message audio. Liova ! Des étudiants du groupe B2 ont mis au point un nouveau tube de nourriture pour cosmonautes. Tu veux goûter ? Jura, on est chimistes toi et moi, non ? Bah, ouais. Et eux aussi, pas vrai? Ouais, où tu veux en venir? Bien sûr que je veux goûter ça, Shura. Mais demain, on va les laisser tester en premier. Malin.
Maintenant, on a ceci. L'avenir des complexes, participer au tournoi et polyvérification des données. Par là. Ah, voilà. Continue à conquérir le monde à vitesse grand V. Les humains n'auront plus besoin de travailler. Toutes les pourquoi je peux pas seront effectuées par les robots. Allô ? Le rêve de l'humanité se réalise. C'est bizarre ça. Et participer au progrès intellectuel. Ah. Les connaissances des membres de collectifs. C'est bizarre, je peux pas. Rapidement. Bon, tant pis. Je m'en fous, au moins j'ai sauvegardé. Collective, continue à conquérir le monde. Arrêtez de me parler là avec votre propagande. Pouf. Mais hier qu'on a fait l'épisode 2, il y avait de l'action, mais pas autant. Hein. Là, la vache. Ça y va. Et tu me diras, c'est pas plus mal. Merci ah mais là ça fonctionne la procédure désirée. Améliorer, on va aller ici. Là non, par contre là oui. On va faire installer. Et est-ce que je peux là? Yes. Et là, je ne peux plus. Accélère le rechargement, ouais, c'est pas mal. Toi, est-ce que je peux améliorer quelque chose? Non, je ne peux pas. Et la poignée, je ne peux pas. Ici. Ah ouais, bah dis donc. Oh là là, mais en fait, c'est qu'elle fait. Ouais, elle fait mal. Non, mais j'ai pas assez de matériaux, on va attendre. Une communauté de personnes tac. De contrôler les... Ouais, je me souviens de ce genre d'énigme. Il y a une source quelque part. Ici. Oui, non, mais c'est bon, je sais comment ça marche. Évidemment, il y a encore ce truc. Alors, si je fais ça. Tac. Ouais. J'ai le droit de dire un gros mot. D'accord. Une fois, j'ai lu qu'une salle vide est une opportunité. Voilà, c'est fait. Ah non. La mince. Comment est-ce que je... Ah, bon sang de... T'énerve pas mec, t'énerve pas, on va y arriver. Il faut juste un peu de patience. Non. Par contre, là, oui. Attends, il reste quoi, là? Mais on est bien, là? Je comprends pas. Très fier de moi. Ah bah voilà. Mais je vais rien laisser paraître.
Bah, je ferai une petite coupure parce qu'en fait j'avais pas fait gaffe qu'il y avait lui qui était ici et du coup je me suis fait chier à regarder par là, à regarder dans tous les sens. Ouais, mais à quoi ça a servi de faire ça? Ah! Je comprends mieux. Si je vais tout en bas. Ouais, si on va tout en bas, on va là. Et là, c'est fermé. D'accord, ok. Continue à conquérir le collective. Monde à collective. Les humains n'auront plus besoin de travailler. Yasu. Voilà. L'oiseau bavard est connu pour son intelligence et son esprit. Ça paye beaucoup moins. Hein? Mais que... Patrick, arrête de parler. Tu fais baisser le QI de tout le complexe. J'ai un cortex. Reviens par ici. J'ai pas fini. Pitri, on ne peut pas calmer ce putain de jeu, là. Putain, c'était quoi, ça? Punaise. Ok. Hop, on récupère ça. L'humanité a fait un pas vers le summum de l'évolution. Une communauté de personnes. Là, je peux pas passer. Ah. Super. Je dis pas non à un peu de vie. Mais attends, mais on prend un chemin totalement différent de tout à l'heure. Mais enfin, de tout à l'heure de ce qui était prévu à la base. À chaque fois, tu sais, je me dis, le jeu veut que j'aille par là, je vais emprunter l'autre voie. Parce qu'il pourrait y avoir quelque chose d'intéressant. Mais en fait, ça mène au même endroit. Quoique. C'est une illusion. Encore ? Sécateur, super compresseur. Allez ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah, c'est vrai, je peux faire ça ! Bon, j'avais totalement oublié.
tellement de recoins, t'as vu ça un peu? Colorés, ils sont tous gris. Prends ton temps, mon chéri. Il me faut l'un de ces globes. Les porteurs sont peints d'une couleur spéciale. Ce petit globule aussi est peint d'une couleur spéciale. Gris, une spéciale. Bon, je vais attendre que les globes normaux se rassemblent autour du porteur. Ça ne va pas. Ah, faut que je les suive. Ce secteur génère le piège électromagnétique qui empêche la vieille sorcière de me faire mal et le vieux monsieur de s'envoler. Avec ces radiations électromagnétiques, les globes ne pourront pas fusionner. Et le sécateur ne marche pas. Comment je fais pour trouver le porteur, moi? Je ne sais pas, chérie. Trouve une solution. Tu peux pas dire que tu sais pas. Ton cerveau fait la taille d'une planète. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Elle prend la voix innocente et tout, là. Arrête enfantillage, je vais y arriver. Le grand filtre, ça a marché. Et qu'est-ce qu'il fabrique? Aliona, Vavilov demande encore l'envoi d'un canister de PA-400. Je ne sais pas ce qu'ils ont comme mauvaise herbe là-bas, mais ils ne doivent faire pousser que de la prêle et des giroflées. Allez voir s'ils utilisent ça intelligemment ou s'ils ne font que déverser ça n'importe où. Sinon, il n'y en aura jamais assez pour tout le monde. Ben oui, hein. Oh, voyons. Ouais, attends, mais je vais les suivre, mais après. J'ai une idée! Je refuse de travailler! Nouvelle Terek Nova. Les mutations sont une nouvelle découverte. Quel genre de robots peuvent avoir les États-Unis? Une planète rouge et froide, ça parle de Mars? On nous a demandé d'analyser des échantillons prélevés sur Mars et la Lune pour les comparer avec des échantillons de la Terre. Le régolithe lunaire était simple et on l'a soigneusement examiné. Rien d'extraordinaire. Mais l'échantillon martien... Les résultats sont déjà classés confidentiels. Je les ai envoyés à l'académie et je n'ai pas le droit d'en parler. Disons juste que j'ai trouvé... Zolotukin s'est trompé avec ses ambitions. Croyez-moi, personne ne voudra croquer dans une pomme martienne. Je pense même que personne ne devrait jamais aller sur Mars. Bah ça, c'est dit. Et pourquoi ? Qu'a-t-elle découvert? Cette lumière éblouissante. T'imagines, tu travailles là, laisse tomber, hein, tu peux pas t'endormir. Hein. J'ai même envie de te dire que tu dois avoir la tête éclatée, les yeux éclatés. Ça ne sert à rien. Et pourquoi pas? Bon! Où c'est que vous allez, là? Oula. Oula, le jeu, respire! Le jeu bug! Bon, bah écoutez, les amis, je pense que je vais m'arrêter là, parce que là, ça va faire facile 2 minutes que j'attends. Là, je croise les doigts pour que le jeu respire à nouveau, mais là, je crois qu'il est en mort cérébrale. Donc, ouais, non, je vais stopper ici. Tant pis, on verra bien où c'est qu'on reprendra. De toute façon, j'avais sauvegardé pas trop loin. Vous me direz, les amis, ce que vous en avez pensé de cet épisode. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça aura été très divertissant et j'espère que le montage vous satisfera parce que, bon, bah ouais, hein, je vais pas vous montrer 7 morts différentes sur le combat de boss et j'allais pas garder 5 minutes de où c'est que c'est, comment ça marche au niveau de l'énigme par terre. Donc ouais,
Vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires, je compte sur vous pour avoir vos retours. N'oubliez pas avant de partir de lâcher un pouce en l'air, de partager la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, tout en activant la petite cloche. Ciao, bye bye et à très vite.